Salut les potos, Porto 95 Gaming. Nouvelle manip pour le don de véhicules les potos, pour ceux qui veulent récupérer les hélicos, les véhicules spéciaux et tous les autres véhicules, ok? C'est mon pote Zamazu qui fait son grand retour. C'est lui qui et c'est lui qui me donne le véhicule. Le véhicule qu'il veut me donner, il le pose ici les potos. Ok? Moi je vais avoir pièce pour revenir, vous mettez votre curseur sur lancer GTA Online. De là, on va commander une Deluxo qui vient d'un garage. Some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. I'll bring it to you. Voilà. On attend qu'elle apparaisse. Ouais, t'as vu, c'est pas mal. Hein. Donc là, la voiture, elle est là. Je vais me suicider. En vous suicidant, en fait, ça vous aide. On a remarqué que vous avez plus de réussite de réussir le glitch. Donc voilà, je me suis fixé. Voilà, dans mon centre d'opération, j'ai une vous pouvez mettre une élégie dans le que vous voulez. Peu importe. Donc là, on va chercher la Deluxe. On rentre dans son bunker. Après ça, la manip ça reste comme les autres. Hein. Vous avez un certain timing des fois à respecter. À vous de trouver le bon timing pour vous quoi. Donc là, on va aller à l'arrière de son centre d'opération mobile. Voilà. Là, ce que vous faites flèche droite et vous maintenez R2. Ok? Maintenez R2 enfoncé, vous ne le lâchez pas. Là, vous faites OK, rond. Voilà. Et vous maintenez R2 jusqu'à la fin du chargement. Très important. Donc c'est une manip plus simple que l'autre. Vous savez, celle où il fallait se bugger avec la voiture, ressortir dehors et demander un véhicule, beaucoup plus simple. Donc là, on attend que la carte essaie des bugs. Voilà, la carte essaie de débugger. Là, je vais faire start en ligne. Pack d'entrée dans le monde criminel. Là, je fais rond, rond, rond. On sort du véhicule. Voilà. Là, on vérifie qu'on a toujours la pavé tactile. Et là, au moment où vous voyez votre joueur tomber, vous lancez l'activité récente, vous faites croix et vous la refusez. Ok? Allez, c'est parti. Maintenant, rond. Voilà, ça a pour but de nous faire apparaître à côté du bunker. Voilà, vous avez vu, là je suis apparu juste à côté. Donc là, la manip à faire, vous allez dans le centre d'opération mobile. Il faut attendre, il faut que vous demandiez votre véhicule personnel. Là, dans mon cas, il faut que j'attende 1 minute 36, c'est plutôt. Ok. Donc je vais attendre de pouvoir solliciter le véhicule sans opération. Donc ça tombe bien, j'avais pas délégué. Encore 40 secondes.
Et là, mon ami, s'il veut, il peut déjà se préparer à aller dans son centre d'opération afin de m'inviter à l'intérieur. Après, le timing, c'est à vous de le trouver. Hein. Là, comme mon pote, il va m'inviter, je vais accepter son invitation, je vais avoir un écran noir. Là, j'en suis une activité récente et je la refuse. Normalement, on a un deuxième écran noir. Je refais la même chose, activité récente, croix rond. Une fois que je suis bugué, j'attends que la carte elle revienne. Dès que la carte est revenue, je vais dans pack criminel. Je fais rond, rond, rond. Je demande mon centre d'opération. Dès qu'il apparaît, on compte. Allez, ça dépend des gens. Il y en a que ça va être 3, d'autres 4, 5. 5 secondes. Moi, je pense que 5 secondes, c'est bien quand la voiture elle est comme ça. On va tenter à 5. Allez. Ou 4. Donc la voiture elle est là. C'est bon, tu peux m'envoyer l'invitation. Elle est là. Tac. Rond. Oh, rond. On attend que la carte ait ses débugs. Et pour d'autres timings, normalement, c'est dès que la carte elle revient, vous comptez jusqu'à 23 secondes. Et tout en allant dans le pack criminel. Start, en ligne. Pack d'entrée, rond, rond, rond. Papier tactile, centre d'opération. Voilà, dès que ça apparaît en haut à gauche, on compte jusqu'à 5, enfin 4. À 4 c'est l'idéal, je pense. 4. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et là, j'ai la voiture, les poteaux. Voilà. One shot. Ok. Donc là, je vais ressortir quand même avec le véhicule pour la sauvegarder. Même si ça sauvegarde normalement automatiquement. Voilà. C'est bon, tu peux sortir du centre. Voilà les poteaux. Elles sont bien là. Voilà. Je vous dis à très bientôt les poteaux. Merci à Zamazou, le poteau. Voilà. On a deux voitures identiques. GG au poteau qui m'aide. Ok les poteaux, voilà. Après comme je vous ai dit, voilà, généralement quand elle est contre le mur comme ça, contre, enfin là où vous bloquez la porte côté conducteur, allez, c'est entre 4 et 5 secondes. Hein. C'est pas, c'est faut vraiment qu'il ouvre la porte quoi, qu'il ouvre la porte. Sinon ce que vous pouvez faire, c'est au moment où la carte elle revient, vous commencez déjà à compter. Entre temps, vous comptez, vous mettez un chrono jusqu'à 23 secondes. Normalement c'est à 23. Dès que vous commencez à compter, vous allez dans pack criminel, vous avez largement le temps, pack criminel, vous faites rond, rond, rond,
vous demandez votre centre d'opération. Et à 23 secondes, vous faites triangle pour entrer dans la voiture. Et vous voulez un one shot. Ok les potos. Allez, moi je vous dis à très bientôt les potos.